On se retrouve aujourd'hui pour un conte, mais attention, pas n'importe quel conte. Mon conte du jour est défait, chamboulé, détourné. Alors vous êtes prêts? On ouvre grand les oreilles, on ouvre grand les yeux et surtout, mon histoire du jour s'intitule Chapeau rond rouge. Elle a été écrite par Geoffroy de Pénard et elle est parue aux éditions École des loisirs. Chapeau rond rouge. Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l'orée de la forêt. Comme elle ne quittait jamais le chapeau rond et rouge que lui avait offert sa grand-mère, on l'avait surnommée Chapeau rond rouge. Un jour, sa mère lui dit « C'est la fête de Mère Grand aujourd'hui. Tu veux bien lui apporter ces deux galettes et ce petit pot de beurre? Je sais qu'elle serait enchantée de te voir. » Chapeau rond rouge accepta avec plaisir. Elle adorait sa grand-mère. « Je préfère que tu passes par les champs, » lui dit sa mère. « C'est plus court par la forêt, je sais, mais... »« Oui, oui, je sais, maman, il y a le loup. »« Ne t'en fais pas, je connais la musique. » Au bord de la route, Chapeau rond rouge tomba sur un grand chien gris endormi contre une meule de foin. Elle ne résista pas. Elle sortit sa trompette de poche et... L'animal se réveilla en sursaut, complètement terrorisé. Qu'est-ce que c'est? Oh, la tête du chien! Oui, oui, je sais, c'est pas très sympa le coup de la trompette. Mais c'était plus fort que moi. Tiens, voici une galette pour me faire pardonner. Je ne suis pas un chien. Je suis le loup et je... Oh l'autre, mais non, tu n'es pas le loup. Le loup, il vit dans la forêt, il est très méchant. Tu t'es vu, toi, avec ta bonne bouille de toutou gentil? Mais si, je suis le loup. C'est ça, dans tes rêves peut-être. Allez, mais à grand matin, faut que j'y aille. Tu vois la fumée? C'est juste là. Mais à cause du loup, je dois contourner la forêt. Allez, au revoir mon gros chien. Le loup, car c'était bien lui, reprit peu à peu ses esprits. La petite peste. Oh, mon pauvre cœur. Mais elle va voir ce qu'elle va voir. Je vais lui en donner du gros toutou gentil, moi. Je m'en vais fourrer cette galette de la petite effrontée et puis la manger. Et le loup partit en courant vers la maison de Mère Grand. Il fonça droit dans la forêt. Il ne regarda ni à gauche, ni à droite. La maison était en vue. Allez, encore cette petite route à traverser et... Une auto l'envoya valdinguer dans un fourré. C'était justement Mère Grand qui revenait du supermarché. Oh là là, misère, le pauvre chien! Il est arrivé si vite, mais je n'ai pas pu l'éviter! Juste ciel, il n'est pas mort. Allez, vite,
dans le lit et je file chercher le docteur. Chapeau rond rouge arriva alors chez Mère Grand. « Bonne fête, Mère Grand, c'est moi, le soleil de ta vie. Je t'apporte une galette. »« Oh, mais tu es couché? Tu es malade? Quelle mine épouvantable !» Mais non, c'est ce gros chien qui joue au loup. L'affreux, le misérable. Il a mangé ma mère grand. Dire que je lui ai donné une galette. À ses cris, le loup ouvrit un œil complètement ahuri. Qui est là? Chapeau rond rouge l'assomma avec un chandelier et dong, prends ça, sale bête. Mère Grand! Mère Grand! Est-ce que tu m'entends? Je vais te sortir de là! Et elle s'en fut chercher un couteau dans la cuisine. Oh, misère! Il a trépassé! S'exclama Mère Grand, qui arrivait avec le docteur. Mais je ne comprends pas, je ne comprends pas! Ce pauvre chien respirait encore lorsque je suis partie vous chercher, docteur! Mère Grand, tu es vivante! Je croyais que le chien t'avait dévoré et je voulais te sauver. Et maintenant, maintenant il est mort. C'est ma faute. Doucement, doucement, intervint le docteur. Cet animal, qui soit dit en passant, n'est pas un chien mais un énorme loup, n'est pas mort. Je vais le soigner. Mais il me faut un peu de calme. Le docteur réussit à sauver l'animal qui passa sa très longue convalescence chez Mère Grand. Après quoi, il dut se résigner à son sort. Sa réputation de loup féroce en avait pris un coup. Il finit donc ses jours auprès de la vieille dame. Quant à Chapeau rond rouge, marqué à tout jamais par cette aventure, elle est devenue un médecin de renommée internationale. Et voilà les petits loups, j'espère que mon histoire vous a plu. Pour prolonger ce moment, je vous invite à réaliser ce chaperon rouge en bouteille. Alors restez bien avec nous pour en savoir plus.